trois ans qu'il attendait ce coup de fil du patron du Tour de France. Et vous ferez vos débuts sur le Tour. Merci, merci beaucoup. Et j'entends déjà à Radio Tour, attaque de Pierre Roland. On sera. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'on fera tout pour être digne de cette invitation. Merci, Christian. Merci beaucoup. Au revoir. C'est incroyable. On va y être, quoi. On pense à toutes les personnes qui travaillent autour de ce projet, on pense à nos partenaires, on pense aux gens qui ont écrit ce projet avec moi. Et puis très vite, cette petite pression quand même, parce qu'on se dit c'est bien, on est invité, mais on sait qu'il va falloir être à la hauteur. Être invité sur le Tour, voilà, c'est fait. Maintenant, l'équipe de Jérôme Pinot doit se mettre au boulot. Comme d'habitude, et là vous faites un sprint 7 secondes en confrontation. Calpe, dans le sud de l'Espagne. Pendant deux semaines, l'équipe bretonne accumule les kilomètres autour de son sprinter, Brian Coquard. L'an dernier, ils sont passés à côté, trop de précipitations, de pression, et le mois de juillet à la maison. Cette année, l'équipe de Jérôme Pinot sait qu'elle va découvrir le Tour. Et ça change tout. On a le temps de bien se préparer pour être au niveau, en tout cas notre meilleur niveau, parce que c'est pas le tout d'aller sur le Tour, c'est d'être performant, donc on a ça en tête. Lui n'a qu'une seule chose en tête, revivre le frisson de 2011. Voilà la première victoire française à l'Alpe d'Huez, victoire française, Pierre Roland. Le grimpeur français se concocte une séance en solitaire. Monter cette bosse, la descendre 8 fois, allure course. Revenir sur le Tour donc, pour y gagner à nouveau. Je pense qu'à ça, honnêtement. J'ai encore des choses à faire et à écrire sur le Tour. Mon histoire à moi et le Tour, elle a été mise entre parenthèses l'année dernière, mais elle est loin d'être finie. Ça bosse donc à tous les étages, mais avec environ 8 millions d'euros de budget, B&B Hotel Vital Concept est l'un des petits poussets du prochain Tour de France. Moi, ça me plaît bien parce que ma compétition préférée dans le football, c'est la Coupe de France, et souvent, il y a des belles surprises. Et nous, on a envie d'être cette belle surprise. Mais est-ce que ce sera une surprise si Brian Coquard s'impose au sprint à Nice, si Pierre Roland gagne une étape de montagne ou si Arthur Vichot gagne une étape sur le Tour? Je pense pas. En juillet prochain, les petits Bretons vont tout faire pour montrer qu'ils ont leur place sur le Tour et pour essayer de lever les bras sur la plus grande course du monde.